Il était une fois, il y a 20 ans, un jeune homme et une jeune femme, très amoureux, formèrent un couple. Puis, peu de temps après, la femme tomba enceinte. Puis c'est 7 garçons qui sont sortis de ce ventre. Mais malheureusement, l'un d'entre eux mourra. Et ils étaient plus que 6. Mais, parmi les 6 enfants, l'un était plus éloigné que les autres. Et il était donc rempli de solitude qui se transformera plus tard en colère. Qu'est-ce que tu me veux? Alors, tu te demandes pourquoi t'es là? Durant toute ma vie, vous m'avez toujours laissé seul. Et tu vois, c'est aujourd'hui que tu vas en subir les conséquences. Tu sais très bien qu'on a vécu une mauvaise enfance. Et aujourd'hui, il est l'heure de se venger. Et je vais donc exécuter un plan pour mettre un terme à cette société. Et je vais d'abord vous éliminer, mon frère. Je m'en fais pas. Je vais t'arrêter. C'est ce qu'on verra. Je jure t'es mort. Allez, dégagez de là, ou sinon, je bute votre chef sans hésitation. Alors, laissez-moi partir. Attrapez-le! Il faut vraiment que j'arrête mon frère. Avant qu'il fasse un désastre. Je sais pas quoi faire. Il faut que je réunisse la famille. Le premier des 4 frères, c'est Skyrad. C'est un expert en armes à feu. Il est très sérieux et discret car, à l'âge de 14 ans, il a tué son grand-père avec une arme. Et ses frères lui en ont voulu. Et il ne rate jamais sa cible. Avec ses 2 flingues, il peut assassiner plusieurs cibles en même temps. Et le deuxième des frères, c'est Shyler. C'est un hacker professionnel. Il fait partie des meilleurs du monde. Il fonctionne plus avec son cerveau qu'avec ses muscles. À l'âge de 8 ans, il a fait exploser le téléphone à quelqu'un, rien qu'en le piratant. Il est très intelligent, mais timide. Alors, la technologie, il connaît bien. Et voici Richie. C'est le plus fort en arts martiaux de ce pays. Avec son humour et sa beauté, il est le plus séduisant et le plus cool d'entre eux. Il peut mettre KO une cible avec 2 doigts, donc il faut pas le faire chier. Et le dernier, c'est Rojo. C'est un peu le fond d'équipe, mais il est très fort avec ses gros muscles. Il a une force surhumaine. Il a déjà réussi à porter un camion. Donc, je vous conseille de pas faire un bras de fer avec lui. Bon, je vous ai réunis ici, car l'heure est grave. Seuls vous 4 peut stopper tout ça. Notre frère a voulu me kidnapper, mais il a voulu me torturer et me tuer. Mais j'ai réussi à l'en empêcher, donc je vous ai réunis aujourd'hui, Rojo, Shyler, Bridgie et Skyrad, pour mettre fin à ce que notre frère va faire. Quand j'ai été kidnappé, j'ai pu mettre une puce sur lui pour le détecter. Et il suffit juste de le traquer.
Je vais demander à toi, Shyler, que tu puisses le traquer avec... Il est où ? C'est moi qui l'ai. Un petit tour de passe-passe. Mais... comment t'as fait ? Oh, c'est pas grave. Donne-le à Shyler, s'il te plaît. Ok, ça marche. Tiens. Oh, ok, j'y vais. Je compte sur toi pour que t'essayes de le traquer. T'inquiète pas, je vais le localiser. Ok, en attendant Shyler qui traque ce fumier, il faut se préparer mentalement. Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie ? Êtes-vous prêt à veiller les uns sur les autres ? Êtes-vous prêt à exécuter l'un de nos frères ? Et êtes-vous prêt à montrer au monde qu'on est les seuls à pouvoir l'arrêter ? Alors, il faut se préparer. Dretchi, fais ce que tu sais faire le mieux. Libère-toi. Skyrad, toi, tu protégeras nos arrières. Rojo, est-ce que tu es prêt à réunir ta force ? Moi, je suis déjà prêt. Dès qu'il m'a kidnappé, j'ai senti que notre frère n'était plus parmi nous. Je ne sais pas... Encore ? Ce que notre frère veut faire. Il faut l'arrêter à tout prix. Car je pense que ça va être plus que grave. Et nous sommes les seuls, dans cette ville, à pouvoir l'en empêcher. Mais malheureusement... Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu entre frères, mais je vous ai réunis ici. C'est pour une bonne raison. Donc, ne me décevez pas. Quelqu'un a une question ? Moi ? Je peux aller aux toilettes ? Bon, quelqu'un a une vraie question ? Il n'y a pas de question pour moi. Il n'y a que des réponses. Non, moi c'est bon. J'ai conçu ce matériau. C'est un gadget que j'ai conçu. Et en fait, je crois que c'est hyper léger, mais ça peut mettre KO une cible. Fais voir. Regarde. Excuse-moi, j'ai vraiment pas fait exprès. Oh, même pas mal. Ça, du coup, c'est un gadget très précieux, mais je vais le donner à toi, Gary. Il va te servir. Merci, je vais le mettre dans ma manche. Comme tu dis... Ça pourra toujours me servir. Les gars, je suis revenu. C'est bon. Je l'ai localisé. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts pour affronter notre frère ? On va réussir à l'affronter. Tous ensemble. Par tous les efforts nécessaires. Jusqu'à notre dernière parole. Alors, ça va être un Noël de folie.